saisi dans le cadre de la dilapidation du fonds de l'économie. En principe, ce n'est pas pour vous, Aladon, qui pour camper, pour une branche à faire travail, pour une branche d'enquête. Non, dossier est en déclenché, dossier est avancé. La preuve, où est la monstre d'action et je ne veux pas avancer, il faut comprendre que le procès de l'économie a été mal déclenché. Mais dans le paquet, déjà, le cadre du procès de l'économie, global, question faut bien répondre à lui-même, question posée maintenant. Est-ce que le procès Petro-Caribé a été mal déclenché? Où est la Convention des Nations Unies contre la corruption qui établit la décrétation entre deux types de victimes? Les victimes directes, les victimes réelles et les victimes virtuelles. C'est tout côté dans le monde, que ce soit en France, on reconnaît que ce sont les victimes directes, que ce sont les victimes réelles qui peuvent se permettre de porter plainte. Donc nous avons porté plainte, qui saisit le cabinet d'instruction, qui a bataille pour que la lumière soit faite dans le cadre de FIA, c'est à bon droit que vous avez fait. Donc le procès est arrivé, est bel et bien déclenché, et que la lumière a fait. L'état possible. Nous croyons que nous avons établi notre état dans la République de Salines. Parce que les Salines, c'est justice sociale, intégrité territoriale, qui conduit une nouvelle unité nationale. Et que nous, eh bien, corruption nationale et massacre national, nous la criminalité nationale. Parce que la corruption est la source de stabilité et de criminalité. Automatiquement, ils sont constatés. Dès que vous voler 4 milliards, 900 millions, dès que vous féroce, vous êtes méchant, vous êtes criminel, vous êtes mettre dans tout quartier populaire. Donc c'est raison ça qui fait nous même des esclaves révoltés. Nous avons fait ferme à la barre et nous continuons le combat parce que tout combat engagé doit être poursuivi et gagné, quels que soient les obstacles. Nous avons la population haïtienne, rejoignez tout notre combat parce que nous symbolisons la résistance. Justice pour la majorité, pas de justice pour les exploiter, pour les pauvres, pour qui dans misère, pour les solino, pour le Fonds national, pour que la vie, pour le Matissan. Avec ça que je dis, vous continuez à ministrer ça comme ministère de la justice. Parce que même la justice, la bonne justice, pour la justice, comme nous, non, ça aurait la démocratie pour la femme. Nous venons planter un piquet pour la quand même. Mais pas parce qu'elle connaît la justice. Mais vous le faites, international, là, ouais. Jusqu'à présent, nous passons. Nous avons un cas, nous mettons les gars ensemble, à massacrer nous. Nous mettons un jugement aussi pour lâcher le dossier,
côté marché Petro-Caribe, dans le Maloy, dans la Gridiose, je tiens à finir vous dire, nous ne pouvons pas avoir de force, je tiens à avec dictature, pour que Mario, nous ne pouvons pas faire de l'eau, qui est dans le bisou, nous ne pouvons pas faire de l'eau, 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 merci, 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 Jusqu'à mon cœur, libre, libération, nous avons la botte, on sait que nous avons la matérie,
au volet de vous, Jovenel Moïse. Je dis à ça, le monde de conscience, nous, en tant que ministre politique, nous dit clair, c'est sous sang, nous demandons des populations haïtiennes, depuis nous croisons avec Jules Ramoncin, c'est pour mettre 4 lits. Parce que c'est trahi pour la soirée, non. Il y a même qui est en misère, il y a même qui est en goût, il y a même qui est en manger, il y a même qui est en kidnappé avec la genou. Je tiens à nous dire que nous même la police qui est c'est dans ce salle nous-mêmes. Nous sommes tous sur nous, parce que nous sommes tous là, nous sommes corrects, c'est tout ça. Bom dia!